Nous allons démarrer la sollicitation abdominale. Pour ce faire, je vous propose deux exercices. Un exercice où nous allons réaliser des abdos de manière dynamique et un autre exercice où nous allons réaliser des abdos de manière statique. Pour réaliser ces deux exercices, on va se servir de la chaise. Je vais vous montrer dans un premier temps de profil comment je vais me placer pour bien réaliser ces exercices. Alors déjà, je vais m'asseoir sur la chaise. Une fois que je suis assis sur cette chaise, je ne vais pas profiter du dossier de la chaise. Je vais légèrement m'avancer et je vais me mettre bien dos droit, abdos contractés, en essayant de se grandir un maximum au niveau de la tête, là, qui va se diriger vers le ciel, comme si j'allais repousser un peu le ciel ici, pour être le plus droit possible. Ensuite, je peux maintenant placer mes mains au niveau de l'assise de la chaise pour m'aider à réaliser l'exercice. Premier exercice, dynamique, je le rappelle, je vais lever ici une jambe en soufflant, puis l'autre jambe, de cette manière. D'accord ? Je vais réaliser ça 10 fois. Donc là, je remonte, une fois, je souffle, deux fois, je souffle. Je vais jusque 10 comme ça. Je vais me remettre de face pour réaliser l'exercice avec Betty et Thierry. Je me replace, je fais attention à avoir le dos bien droit. Ici, le regard vers l'avant. Vous êtes prêts chez vous ? Nous, on l'est. C'est parti pour la première réalisation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Si j'ai besoin de répéter cet exercice, une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième fois, je le fais à la maison. Je clique sur pause et vous pouvez répéter cet exercice. Deuxième proposition de sollicitation abdominale, cette fois-ci statique, sans réaliser de mouvement. Ici, je vais simplement lever mes jambes, trouver un équilibre au niveau corporel pour ne pas être en total déséquilibre sur ma chaise et je vais garder cette position pendant 10 secondes. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir la position. Ici, regardez, au départ, j'ai le dos bien droit. Ici, je vais légèrement basculer un tout petit peu vers l'arrière pour me permettre de redresser ici les jambes. D'accord ? Et je vais garder cette position pendant 10 secondes. On parle, pour les connaisseurs, ici, d'une contraction isométrique du muscle. On y va, on se met en place. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, attention, je ne triche pas, hein, je n'ai pas mon dos contre le dossier de la chaise. On est déjà à 4 secondes. 5, je respire pendant l'exécution de l'exercice. Je pose. Ok. De même, hein, si vous souhaitez réaliser une seconde, voire une troisième fois cet exercice, aucun souci. Vous mettez sur pause, vous prenez un petit temps de repos chez vous, environ 30 secondes, pas plus, et vous réalisez cet exercice à nouveau. Nous allons maintenant passer à l'instant cardio, sollicitation cardio-pulmonaire.